Bonjour, je suis la Vierge Marie, mère du prophète Jésus. On me définit comme étant celle qui a la foi, celle qui a une piété et une humilité qui doit servir d'exemple. De génération en génération, on continue de s'émerveiller devant le mystère ineffable qui a fait en sorte que les portes du ciel se sont ouvertes pour vous. Je suis ici aujourd'hui pour vous indiquer la voie à suivre. Si vous ne savez pas comment retrouver la lumière, écoutez bien ceci. En apprenant à garder un silence intérieur, cela vous permettra d'être en symbiose avec l'univers, et ce, même au milieu de vos activités quotidiennes. Apprenez à écouter votre âme, dans le silence et surtout, gardez-le toujours ouvert. Accueillez humblement les événements dans votre vie. Ils vous enseignent à accepter avec amour les desseins du divin. Cessez d'en vouloir une autre et vivez du mieux que vous le pouvez, la vie que vous avez choisie. Trouvez en vous le désir d'y répondre avec une fidélité et une générosité plus grande et en donnant avec votre cœur. Pensez aux autres et ayez confiance, puisque l'univers tient toujours ses promesses. Savez-vous que si vous êtes ici sur cette terre, vous êtes venu pour accomplir de grandes choses? Si votre âme est dans la noirceur, le chemin ne sera pas ouvert. Votre besoin de méditer ou d'essayer de vous élever demeurera vide, parce que vous oublierez l'essentiel, qui est celui de choisir votre lumière. Ne permettez plus à la négativité, le découragement, la haine et la rancune d'entrer en vous. Malgré la souffrance, demeurez positif et demandez-moi d'étendre sur vous la lumière divine qui vous donnera le courage d'avancer. Au prononcer de votre prière, des milliers d'anges viendront vous entourer de leur amour. Vous ne savez pas prier ? Répétez ces quelques paroles en silence dans votre cœur. Je t'en supplie, Sainte Marie. Écoute humblement ma prière et daigne regarder la sincérité de mon âme. Aidez-moi s'il vous plaît. Merci beaucoup Vierge Marie. Sachez que chaque prière est entendue. Je vous aiderai à retrouver cette mission pour laquelle vous êtes venu ici sur Terre. En vous donnant les bons outils pour parvenir à retrouver votre lumière, celle qui vous définit si bien.